Access les requêtes en SQL. Nous aimerions à présent compter le nombre de salariés que nous avons dans notre euh, entreprise. Donc les employés sont dans la table t employés, et donc on voudrait les compter. Pour euh, les compter, on va utiliser la fonction count. On va donc faire une requête, créer création de requête, on bascule en SQL et là on va mettre select count étoile from t underscore employé, ça, ça va compter le nombre de lignes qu'il y a dans la table t employé. L'étoile me permet d'indiquer qu'il va compter l'ensemble des lignes. Si j'avais mis select count non, par exemple, et pour un employé je n'ai pas mis son nom, à ce moment-là, cette ligne ne serait pas comptée. donc C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours faire un select count étoile ou alors un select count sur l'identifiant qui, lui, ne peut pas contenir de double ni de valeur nulle. Ainsi, on est sûr de compter toutes les lignes. En faisant juste cela, eh bien, on obtient en réponse le nombre d'employés que nous avons, 18. On pourrait améliorer en mettant un titre. Je vais au bout du Select et je fais AS, entre crochets, nombre d'employés. On valide et là, on voit que maintenant, ma colonne a un titre. Enfin, ma case a un titre nombre d'employés. Voilà, donc ça c'était ma première requête, une requête que je vais appeler EN8, EN08. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'aimerais savoir combien j'ai d'employés dans le département 30. Donc c'est quasiment la même requête. Donc je vais la copier-coller. Je vais l'appeler R underscore EN09. Et quand je l'ouvre, donc bien sûr là j'ai le même résultat, je bascule en mode SQL. Et pour compter juste le nombre d'employés dans le département 30, je vais juste rajouter une condition where. Where no_dep égale 30 entre guillemets, puisque le champ nodep est un champ de texte chez moi, donc je le place entre guillemets. Je vais. Euh, Changer mon titre, Nombre d'employés du département 30. En affichant le résultat, je vois que... On va agrandir la colonne quand même. OK. Hop. On va juste l'agrandir. Voilà, je vois que j'ai 5 employés dans le département 30. On pourrait améliorer encore un petit peu cette... ou compliquer un petit peu cette requête. Toujours sur du comptage, hein. donc je vais l'enregistrer. Je vais la fermer. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est connaître le nombre d'employés qui ont une commission. Créer création de requête. J'aurais pu faire un copier-coller, mais là, je vais la refaire. Hein, ça va aussi vite. Donc, cette fois-ci, ce que je veux savoir, c'est le nombre d'employés qui a une commission. Donc, ce que je veux afficher, c'est le nombre d'employés. Select count étoile. As. Nombre d'employés avec commission. Donc ça, ça ne change absolument pas. From t underscore employé. Et là où ça va changer, c'est dans ma clause where. Puisqu'en fait, les gens qui ont une commission, je vais le dire en mettant where comme. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une commission. La réponse est 14. 14, on va vite vérifier dans la table employée. Nous devons avoir 14 employés avec commission. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça veut donc dire qu'il ne compte pas l'employé le, 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 qui a 0 euros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je vais mettre comme égale 0 pour le compter. Donc je le bascule en mode, cré... euh, pas mode création euh, en mode je suis sur la table. Je reviens sur ma requête et là je vais modifier en mettant where comme or comme égale 0. Le résultat cette fois-ci passe de 14 à 15. Donc en fait, quand on dit where comme, il compte que les commissions qui sont supérieures à 0 euros Si quelqu'un a 0 euros de commission, il n'est pas compté. Donc si on veut vraiment compter tous les gens qui sont susceptibles d'avoir une commission, il faut bien mettre where comme or comme égal 0. Voilà donc pour cette nouvelle requête que je vais appeler requête 10 REN10. Nouvelle requête, on va essayer maintenant d'afficher euh, les employés qui n'ont pas de commission, à l'inverse. Donc créer, création de requête. On ferme ça, SQL, select 40 étoiles. Tout ça, ça ne change pas. From t employé. Je pas mis de titre, donc on pourrait mettre un titre. Hein. As euh, nombre d'employés sans commission. Et là, on va mettre where comme is null. Voilà, le, la clause is null va me permettre de voir le nombre de personnes qui ont des cases vides. La réponse est 3. Même chose que précédemment. Si je veux voir ceux qui n'ont pas de commission ou qui ont zéro, parce que pour moi c'est la même chose, mais attention, en logique ce n'est pas la même chose. En, pour accès ce n'est pas la même chose. Donc si je veux comptabiliser ceux qui ont zéro euro, eh on le mettra dans une requête euh, EN12. Là, je vais faire ma requête EN11. On va l'enregistrer, celle-ci. R underscore EN11. Et je vais reprendre ma EN11. Je vais la copier-coller parce que ça va aller plus vite que de la refaire. R underscore EN, je vais l'appeler 12. Donc là, j'en avais 3. Wherecome is nul, j'enlève le point, le point virgule. Or, comme égale 0. Et là, on devrait passer à 4. Voilà. Donc il y a 4 personnes qui n'ont pas de commission ou qui ont 0 euros de commission. Je peux valider et quitter. Voilà donc pour ces requêtes avec fonction numérique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner pour prendre connaissance des dernières nouveautés.